Une chambre. Peu de choses. Du café. Des noms de café qui donnent faim. Des rêves. Des allées et venues. Jamais d'ennui. Des projets de lecture. Des pommes. Est-ce que j'aime vraiment ça? J'ai jamais su. Des lunettes de soleil pour yeux clairs, achetées trop tard. Des rides, peu de tartines. Des terrasses. Des souvenirs de terrasses. Des heures perdues derrière les nuages. Des cafés en gobelet. Des livres qui s'ennuient. Des plantes qui débarquent. Du cumin, de la coriandre, du chemin, des reflets, les autres, un plateau en bronze, un tapis portugais, des pieds, un portrait encadré, d'autres tapis, pourquoi pas? Bientôt. Des inconnus, des étincelles. Vida, 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 disait le cafetier. Des fruits. Un courant d'air. Je fais de l'informatique, c'est clair. Et je suis sur plusieurs sous-domaines. Génie logiciel, science des données et intelligence artificielle. Génie logiciel, on étudie la manière dont on va construire des logiciels pour qu'ils soient fiables. Mais c'est aussi une matière vivante. Les gens ont des besoins qui évoluent, donc il faut aussi qu'ils soient adaptables. L'autre difficulté, c'est de trouver les erreurs et de les modifier sans en ajouter de nouvelles. Science des données et intelligence artificielle, ça se rejoint de plus en plus. À la base, science des données, c'était vraiment de la collecte et de l'analyse de données. L'intelligence artificielle, c'est créer des méthodes informatiques qui vont imiter l'humain et faire des raisonnements. Et c'est là que les données interviennent, parce que c'est elles qui alimentent les raisonnements à imiter. On veut produire de la connaissance, de l'interprétation à partir de données et de raisonnements. Ce qui nous distingue des statistiques, c'est qu'on essaie de faire émerger du sens. Ça a l'air un peu dingue dit comme ça, mais en fait c'est ça. On essaie de sortir des calculs pour produire du sens. L'informatique, c'est la science de l'information transformée en connaissance. Notre premier problème, c'est comment je modélise le monde qui m'entoure pour atteindre un certain objectif numérisé. Ce que l'informatique a apporté au monde, je vais te dire quelque chose qui va te paraître bizarre, mais je pense que l'informatique existe depuis qu'il y a des hommes. À chaque fois que tu veux transmettre de la connaissance, tu essaies d'en faire une représentation pour qu'elle soit partageable. Et parmi toute cette connaissance, il y a une connaissance sur les calculs. Qu'est-ce que c'est que de faire une omelette au CEP? C'est un exemple typique de tous les premiers cours d'informatique. En général, c'est pour expliquer ce que c'est qu'un algorithme. Et montrer qu'on n'est pas en dehors du monde. Tout ça pour dire que l'informatique, ça sert toujours, depuis que l'homme est homme et qu'il communique sans ordinateur matériel.
Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que les grosses étapes, c'est d'abord un très très vieux monsieur musulman. Al-Khwarizmi. Voilà. Né en 780, en Perse. C'est lui qui a donné le nom algorithme. Ça vient de l'arabe. Un algorithme, c'est une mise en forme que tu peux partager d'un calcul, d'un processus, d'un procédé, quel qu'il soit. Les cartes perforées des métiers à tisser, c'est des programmes. Quand tu fais du tricot, tu suis un algorithme. C'est pas pour rien que les premiers groupes de programmateurs aux USA, c'était des femmes. Parce que c'était un métier de fourmi, méticuleux et peu valorisé. Elles excellent, les femmes, là-dedans, non? Une femme très connue, c'est Margaret Hamilton, qui a beaucoup travaillé pour la NASA. Maintenant, ça y est, elle est reconnue, mais ça a mis le temps. Et derrière elle, il y avait aussi tout un groupe de femmes noires cachées dans les bureaux qui étaient des génies informatiques. Une autre révolution, c'est l'arrivée d'une des premières machines, la Pascaline. C'est une machine capable de faire des calculs toute seule au XVIIe siècle. Après, il y a eu la machine de Turing. C'est une machine complètement abstraite, personne ne fait des calculs avec, mais théoriquement, elle peut calculer tout calcul calculable. En gros, c'est un ruban capable d'inverser des zéros et des 1. La notion de calculabilité, c'est la notion de qu'est-ce que je peux calculer en temps fini en produisant un résultat. La théorie de Turing est très importante parce qu'elle dit que tout ce qui est calculable peut être calculé comme ça, avec juste des zéros et des 1. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est une vraie révolution du point de vue théorique. C'est l'ancêtre théorique de l'ordinateur. Ça peut calculer tout ce qui est calculable avec juste ce ruban de 0 et de 1. C'est hyper fort. Et aussi, comment inventer des langages de plus en plus évolués pour programmer? C'est assez joli, ça. C'est des créations de langages avec des syntaxes différentes. Parce qu'on se rend compte que chaque langage a ses particularités en fonction de ses propres besoins. Maintenant, il y a des gens qui travaillent sur les styles d'écriture dans le langage de programmation, comme si c'était des styles littéraires, si tu veux. Régulièrement, il y a des styles de langage qui sortent pour aller plus vite. Le rêve, c'est de produire un langage que tout le monde puisse utiliser. Je rêvais quand j'étais petite d'être grammairienne, ou écrivain, ou instit, ou traductrice. Et finalement, c'est exactement tout ce que je fais avec mon métier actuellement. Moi, j'ai envie que la machine, elle apprenne tout. Moi, j'ai envie que l'être humain s'enrichisse de connaissances pour pouvoir davantage communiquer. Mais communiquer en vrai, pas derrière les écrans. Ce que j'aimerais, c'est que ça nous aide à avoir des outils pour mieux communiquer et pour mieux comprendre notre monde. Quand tu programmes, tu modélises le monde et ça te force à approfondir ta connaissance. Quand tu es informaticien, tu passes ton temps à interroger le monde pour mieux le comprendre et pouvoir faire des choses avec. Combien de temps durent les prises de conscience? J'ai peur qu'on oublie vite. On aspire pour beaucoup à revenir à l'échelle de notre vie pour y mener ce qui nous paraît important à nous, individuellement. Ou plutôt, dans le meilleur des cas, on a le loisir de s'interroger sur ce qu'on aimerait vivre et placer au cœur de notre existence. Le reste du temps, on gagne sa croûte plus ou moins durement, et point. Les besoins fondamentaux des êtres humains ne changeront pas, si? Nos bonheurs artificiels non plus. Je me situe bien au-delà du pessimisme ou de l'optimisme.
il y a 2 ou 3 semaines, conscience aiguë qu'on avait fait n'importe quoi, pour le dire poliment. Pour le dire joliment. Aujourd'hui, je me dis que les diverses asphyxies planétaires perdureront, c'est sûr. On peut donc commencer par se recentrer sur le présent, même si ça semble trop peu pour constituer une révolution. Qu'est-ce qu'on peut mieux faire dans notre coin? Beaucoup de choses. On, off, on, off. On rebondit jusqu'au prochain plongeon. En attendant, j'espère qu'on sera. En attendant, j'espère qu'on sera heureux.